chasseur le maintenait comme ça, pour le noyer. Et... Joël pouvait pas atteindre son arme. Bordel. T'as eu peur? J'ai même pas réfléchi. J'ai couru, j'ai attrapé son arme et je lui ai tiré une balle dans la tête. T'avais quel âge? 14 ans. T'avais quel âge la première fois que t'as tué quelqu'un? Tu parles désinfecté? Non. D'un vrai être humain. Non infecté. 10 ans. Waouh. Et il s'est passé quoi? Un type a attaqué ma mère. Je l'ai poignardée. Putain. Tu m'as battue. Eh ouais, faut pas me chercher. On serait pas un peu paumé là? Non, pas du tout. Eh, fais-moi confiance. Et ces cannibales que vous avez rencontrés, Joël et toi, ils vous sont tombés dessus une fois. Peut-être qu'ils ont un lien avec le WLF? Non. Je pense pas qu'ils fassent partie du même groupe. Et pourquoi pas ces contrebandiers que vous avez croisés à Boston? Joël avait pas mal d'ennemis, Dina. Tu perds ton temps à chercher un responsable. D'accord. On en reparlera dès qu'on aura plus d'informations. Ellie, des voitures. Ouais, on touche au but. Faut qu'on fasse gaffe. D'accord. Parti. Bon, moi, je me suis trompée. Finalement, tu sais exactement où tu vas. Ça a l'air calme. Ouais. Méfie-toi. Ils sont sûrement bien planqués. Ouais, je sais. C'est bien ce qui me fait peur. Wow, c'est ça la fameuse ZQ. Ouais. Fais gaffe en haut. C'était des soldats de la zone de quarantaine. T'as vu les uniformes de la FEDRA? Tu penses qu'il s'agit du WLF? Ouais, ils les ont laissés ici. C'est un avertissement. C'est horrible. Regarde, on dirait que le mur est fissuré, là-haut. Tu le vois? Ouais. Maintenant, il faut trouver comment grimper là-haut. WLF, les intrus seront abattus. Sympa comme accueil.
Enfin, au moins, on sait qu'on est au bon endroit. Où ils sont passés? S'ils ont pris la peine de faire ça, ça veut dire qu'il doit y avoir un moyen d'entrer. T'as trouvé quelque chose? J'ai trouvé une carte touristique. Bon, c'est déjà ça. Dina, viens. Aide-moi à grimper. J'ouvre l'œil, t'inquiète. Essaie de voir si tu peux ouvrir le portail de l'autre côté. Bonne idée. J'ai juste failli crever. Ils sont où, ces enfoirés? Ok, je me demande de quand ça date. Ok, intéressant. Ah, voilà le générateur. Ok.
Hey, tout va bien? C'était quoi ce bruit? J'ai pu ouvrir ce portail. Faut que je trouve un moyen d'ouvrir celui-là. Allez, on croit en toi. Merci. Yes! Bien joué! Merde! Allez, viens! On s'en va! On a assez traîné dans le coin. Et maintenant? J'ai trouvé un papier là-bas. Il y a des codes dessus. C'est marqué qu'il y a une planque du WLF dans une base qui s'appelle Cerevena. Cerevena. Alors, on va la chercher? Avec un peu de chance, on croisera notre premier WLF. Et on le fera parler. C'est un début. On y va. Merde, regarde! Hôtel Cerevena. Ça doit être là. Ok. Trouver le moyen de franchir le portail Fuck Fedra. Très original. Au moins, c'est clair. Faut qu'on s'approche pour voir ça de plus près. Vous avez monté tout le monde contre vous. Ok, c'est parti. Ah. Ah. Plus d'essence. Putain de merde. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, merde. La note. Quoi? D'après la note, il y aurait de l'essence au parking du tribunal et au dôme. D'accord. Le parking du tribunal et le dôme. Bon, comment on fait pour y aller? On explore un peu les environs, on verra bien. Tu crois que Tommy est venu ici? J'en suis sûre. Bon, où est-ce qu'on est? Je crois qu'on est ici. Ah, cool. Je vais ajouter des notes. Il s'est passé quoi ici? Je crois que les militaires ont bombardé la zone. Mais pourquoi? Pour nettoyer les zones de la ville envahies. Les infectés. Ou les rebelles. C'est un peu excessif comme mur. D'habitude, c'est efficace. Contre les infectés ou contre les rebelles?
Les deux. Merde. Crois-moi, t'as eu de la chance de pas grandir en zone de quarantaine. Ouais, je vois ça. Centre de distribution de rations. À Boston, la queue faisait plusieurs pâtés de maison. Et la bouffe était dégueu. Ça m'aurait rendu dingue. Certains pétaient les plombs. T'as vu un peu ces vitraux? On n'en voit pas beaucoup. Distribution de carburant. Allez, c'est parti. On peut dire que la Fedra a bien barricadé cet endroit. Il y avait toujours des pénuries de nourriture à Boston. La faim rend les gens fous. Tu peux passer? C'est bon, vas-y. Sans bavure. Ellie, c'est une synagogue. Comment tu le sais? Bah, d'une, il y a des menorahs sur le mur, le chandelier des Hébreux. Et deuxièmement, j'ai pas encore pris feu. Comment ça, pris feu? C'est une blague débile. Ça t'arrive d'en faire des bonnes? Ferme-la. Cet endroit me rappelle des souvenirs. Ma sœur arrêtait pas de me traîner à la synagogue. J'imaginais pas que t'étais croyante. Non. Mais j'aime être issue d'une longue lignée de survivants. Tu parles de l'épidémie? Ouais. Et de l'Inquisition. Et de l'Holocauste. Ma famille a toujours survécu. Ou presque. Ok. J'ai trouvé de l'essence. Allez. Oh, et merde. Hé,
Sois poli. C'est un lieu de culte. C'est vide. Ça craint. On fait quoi? Mais essayons le parking du tribunal. On se tire. Encore de prier? Ouais, parfois. Vraiment? Quand ça? J'ai prié quand on a quitté Jackson. J'ai prié sur la tombe de Joël. Parfois, je me dis des petites prières, juste pour moi. Ça t'aide? Je crois que ça m'apaise. Ça m'aide à prendre un peu de recul. C'est... une façon de gérer mes émotions. De faire preuve de respect. J'ai pris l'habitude. Par là. Vas-y, je te suis. C'est quoi, ça? Oh, ça, c'est la Torah. La quoi? Disons que, dans le judaïsme, c'est un peu... l'équivalent de la Bible. Ah. Ma sœur aurait trop aimé voir ça. Celle qu'on avait au Nouveau-Mexique était à moitié brûlée. Allez. Cool. Au moins, ils ont pas tout balancé. Hey, qu'est-ce que tu fais? Je parie que je peux atteindre l'autre balcon avec ça. Ok. Ellie, fais gaffe. C'est bon. Ça tient. Pas de problème. Allez, Dina. Ok. On a fait un bond dans le futur? Mais non, c'est un calendrier hébraïque. Pour le nouvel an, ma sœur m'offrait toujours une pomme enrobée de miel. Super, maintenant j'en ai envie. J'espère que vous êtes sains et saufs. Ok, le dôme, c'est fait. Passons au tribunal. Il vaudrait mieux trouver plus de matériel avant de continuer. Au moins ici, on a un peu de calme. Ça fait bizarre de pas entendre de bruit de camion dans les ZQ. Ou des coups de feu, des explosions. Ma sœur évitait toujours les zones de quarantaine. C'est sûrement à cause de ça. Elle devenait de plus en plus parano. Elle se réveillait parfois en pleine nuit, en hurlant. Ça doit être dur. On était toujours prêts à repartir, toujours sur le qui-vive. On n'est jamais resté au même endroit. Hé, je crois que j'ai trouvé le tribunal. Comment tu le sais? Tu vois pas l'inscription? Celle sur le bâtiment qui dit tribunal. Ah, effectivement. Bien vu, Sherlock. Mm-hmm. Mais cet endroit sur la carte...
T'as entendu ? J'ai entendu. Désinfecté. Ça vient du tribunal. Oh, ça s'annonce mal. Bah, au moins, on sait à quoi s'attendre. Ok. C'est tout ? J'entends rien. Allons trouver de l'essence, maintenant. Ouais. Je me demande comment c'était de faire partie d'un jury. Ça devait être marrant. On s'asseyait, on examinait les preuves, on essayait de savoir si quelqu'un mentait. Pour ça, il me suffit de 5 minutes d'un couteau. Et je sais direct si quelqu'un ment ou pas. Oh, wow. Ok. Tu m'aides ? J'arrive. T'as déjà mis les pieds dans un tribunal ? Non. Tu veux dire que t'as jamais eu d'ennui à Boston ? Bien sûr que si. Mais j'ai jamais atterri au tribunal. Il s'est passé des trucs moches ici. Des soldats de la Fedra. Regarde le mur. Ils ont été exécutés. La vache. C'était pas juste une exécution. Ils les ont réduits en bouillie. Ils économisaient pas encore les munitions. Peut-être qu'ils l'avaient mérité. Peut-être. Être utile.
Ça dit quoi? Ce type était un commandant de la Fedra, on dirait. Oh, ils se sont fait surprendre par le WLF et essayaient de s'enfuir. Ils sont combien pour être capables de vaincre l'armée? Pas besoin d'être nombreux quand on est aussi violent. Il faut qu'on reste sur nos gardes. Ouais, faisons pas de conneries. Ah, bingo. Parking. On y trouvera de l'essence. Si on en croit la note, ouais. Bon, alors on y va. Attention. Pas d'autre. Ces types de la Fedra n'ont même pas pu sortir du parking. Bordel. On n'a plus qu'à trouver l'essence. Alors? Attends. Et on a de l'essence. La chance est enfin tournée. Nous porte pas la poisse. Direction le portail Fuck Fedra. Et maintenant, comment on fait pour sortir d'ici? Dina. J'arrive. Bien joué, Dina. Merci. Bon, le portail maintenant. On sait pas quand on croisera à nouveau Abby et ses amis. Il vaudrait mieux trouver plus de matériel avant de continuer. Pas faux. En avant, Payette. Hé, hey, tout va bien? T'as le mal du pays? Juste un peu. Et toi? Pareil. Avoir un toit au-dessus de la tête, ça me manque. J'ai toujours rêvé de retaper une ferme à l'extérieur de Jackson. Tu veux pas rester en ville? Je sais pas. J'aime l'idée de vivre dans de grands espaces. Comme une ermite? Seulement si on le fait seul. Ok. Alors, on va élever des moutons ou des vaches, c'est ça? Tu te moques de moi, c'est ça? Non. Franchement, cette idée me plaît beaucoup. Vraiment?
Oui. Vraiment. Qu'est-ce que tu caches ? Qu'est-ce que c'est ? A priori, il y aurait du matos dans une banque. On pourrait aller y jeter un œil ? Eh ben, quelle aventure! On n'a croisé aucun WLF. Hé, la ville est grande. On commence à peine les recherches. Ouais, je sais. J'avais espéré en trouver au moins un. Ok. Je m'en charge. Tu peux taper le code. Ces vieux générateurs sont parfois capricieux. Il faudra sûrement essayer plusieurs fois. Oh. Pardon, tu disais ? Non, rien. Bon, pas de comité d'accueil. Ou alors, ils se sont planqués. Faut trouver une entrée. Surveille bien les fenêtres. Wolf, WLF. T'as vu ça? Un infecté vient de passer par-dessus la barrière. On pourrait faire pareil, du coup. Coup de feu, c'est bizarre, non? Je sais pas ce qui se passe. Ok, ça c'est fait. Oh. Celui-ci est encore chaud. Et il y a un loup sur son insigne. On dirait qu'ils n'ont pas pu récupérer l'essence dont ils avaient besoin. C'est plutôt bon signe. Si jamais ces enfoirés qui ont tué Joël se sont fait avoir par un Vulcain infecté... Il serait mort, c'est tout ce qui compte, non? Ouais, mais ce serait pas juste. Autant profiter d'être là pour faire le plein. Mmh.
Ils se sont fait tirer dessus. Tu les reconnais? Non. C'est probablement quelqu'un d'autre qui les a tués. Les infectés sont arrivés plus tard. J'ai trouvé de l'essence. Bon, si on a besoin de rab, on sait où en trouver. Je le reconnais pas non plus. Tommy. Ça. Arrête. Je suis sûre que c'est lui. C'est un des types qui a tué Joël. Merde. Il y en a un autre par ici. Lui, je l'ai jamais vu. Il les utilisait l'un contre l'autre. Comment ça? C'est Joël qui m'a appris ça. Tu poses une question à ce type, mais il répond pas à voix haute. Il doit écrire sa réponse. Ensuite, tu demandes à l'autre. Et si les réponses coïncident, ils disent la vérité. Sinon, tu les tortures. Ouais. Est 1. Encore un code? On dirait bien. Ça vient d'arriver, Ellie. Il doit pas être bien loin. Ouais. Allez, on peut sortir par là. Et peut-être rejoindre Tommy. Ouais. Tommy en avait bavé par le passé, mais... La vache. Je sais. Est-ce que ça va? C'était pas beau à voir. Je veux pas que tu te fasses une mauvaise opinion, Ellie. Tommy. Si les meurtriers de ma sœur étaient ligotés à une chaise, je leur ferais pire. Ouais, j'imagine. Occupe-toi du générateur. Et moi du portail. Tu te souviens du code? Celui écrit avec du sang? Ouais. C'est bon! C'est bon! Pour... moi! La vraie question est... qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je
propose qu'on trouve un endroit pour s'abriter. Quelque part en hauteur, qu'on puisse observer les environs. Ouais, ça me va. Ok. Il faudrait trouver un bâtiment accessible. De préférence sans infecté. Et sans WLF. Sans Wolf. Peu importe. Dina ! Chopez l'autre ! La paire des pas ! Allez ! Dina ! Je pensais pas te revoir un jour. Comment tu nous as trouvés ? J'ai dit que je cherchais un enfoiré avec une grosse cicatrice. T'es marrante. Il y en a combien avec vous ? Juste vous deux ? Tu m'arrêteras pas. Jordan ! T'étais censé chercher l'autre dehors. Qu'est-ce que tu fous, là ? Tu te souviens du mec qu'on a buté à Jackson ? Ouais. Cette fille était là. Quoi ? Ils viennent se venger. C'est pour ça qu'on a retrouvé Nick dans cet état. Faut qu'on l'amène à Isaac et qu'on lui explique exactement ce qui se passe. Ouais, bah Isaac vient de me contacter par radio. Et les ordres ont changé. On doit tuer tous les intrus. Oh, wow, wow, wow. Attends, attends. Fais pas de conneries, mec. C'est un ordre direct. Non, faut la faire parler. Qu'elle nous dise ce qu'elle sait. Mais je m'en fous de ce qu'elle sait ou non. T'as vu ce qu'elle a fait aux autres ? Réfléchis, on n'a aucune idée de combien ils sont. Ça pourrait être une embuscade, Mike. On sait pas combien ils sont. On les trouvera, on les butera. Tu peux pas réfléchir par toi-même deux secondes. Maintenant, tu dégages et tu laisses faire mon boulot. Tu peux pas... Dina ! Dina ! Sur la carte ? J'en sais rien du tout. Allez ! Putain, Ellie !
Je t'ai eu. J'ai compris. Sortez le passage. D'où ces coups de feu? J'en sais rien. Faut fouiller la cour. Toi, tu gardes la cafétéria. Moi, je reste ici. D'accord. Dans le coin. Brooke ? C'est Brooke ! Quelqu'un a eu ! Tiens ! Pris ! On nous attaque ! Je crois que ça vient de ce côté. Fais pas de conneries, lâche prise. Jette un œil ici. On les emmerde, on prend tout.
Non. Là-bas. Ellie, baisse-toi. Hey. Elle est où, la patrouille d'Adrienne? Merde. Hé, hey, vous deux. L'intrus a filé. Quoi? T'as vu un truc? Non. Faut surveiller le toit. Je vais vérifier par ici. Elle est pas dans la rue, t'es sûr? Quelqu'un vient voir. Je l'ai vu! Juste ici! T'en penses quoi? On peut essayer. S'éloigne de l'école. Tout de suite. Il doit forcément y avoir un moyen de rejoindre la rue. Qu'on descende dans la rue. On dirait qu'il y a personne. Ouais.
Je crois que c'est bon. Tant mieux. Viens voir ça. C'est l'une d'entre eux. C'est une belle salope. Lis la lettre. Jordan, Isaac nous a envoyés en mission pour 2 semaines à la station télé. Des scars ont été repérés dans le coin. La photo, c'est au cas où je te manquerais, Léa. La station télé. Tu crois qu'elle est encore là? Y a qu'un moyen d'en être sûr. Alors, c'est juste à côté de ces grands immeubles. C'est par là. Ok. Allons choper Léa. Ça va ? Ouais. J'ai bien cru que c'était foutu pour moi. Merci de m'avoir sauvé, d'ailleurs. C'est normal. Alors, eux, c'est les Wolves. Et ils ont plein d'armes. C'est le moins qu'on puisse dire. Tu pensais qu'ils seraient autant avant de partir ? Tommy m'avait dit qu'ils pourraient être nombreux. Ça change quelque chose pour toi ? Non. Venir. Ces gens sont pas comme nous. On aurait pu être des réfugiés. On aurait pu, je sais pas, avoir des infos utiles pour eux. J'ai l'impression qu'ils s'en foutent royalement. Il y a un truc qui tourne pas rond. Pourquoi ils vous ont pas tué Tommy et toi quand ils en avaient l'occasion? Je sais pas. C'était risqué de leur part. Peut-être qu'ils sont juste cons. Peut-être que... Quoi ? C'est pas après vous qu'ils en avaient. Et donc, ils vous ont relâché. Ouais, après nous avoir mis une belle raclée. Ce connard de Jordan m'a défoncé la tête. C'est vrai, mais pourquoi ils sont pas allés jusqu'au bout en... C'est pas important. Ils ont eu tort. C'est clair. Comment déjà la fille de la note? Celle de la station télé? Léa. Est-ce que c'est elle qui...
C'est elle, la fille avec la tresse? Non. Tout ce que je me rappelle d'elle, c'est de l'avoir entendue pleurer quand j'ai planté cette espèce de sadique. Alors, comment on va se prendre avec elle? D'ici, je vois toujours les immeubles. On y va comment? Voyons voir. Alors les Scars pour lui régler son compte. Allez, fais ce qu'on a à faire et on rentre du feu, ok? On n'arrivera pas à la trouver avant les Scars ou les infecter. Tant mieux. On va s'écarter le corps et à le ramener. Compris. Ouais, elle est grande. Est-ce que tu crois qu'il y a des wolves partout? J'espère que non. Quoi ici? Juste des trucs d'Halloween. Il y a des trucs plutôt marrants. Moi, je suis pas fan.
transférer à la surveillance des gardes. Une autre patrouille. Alors là, je te déconseille. Rien que l'odeur te ferait tourner de l'œil en moins de deux. Ah, je me dis que ce serait le bon plan. Je pourrais me défouler sur ces connards et être en lien direct avec l'hôpital. Imagine pas ce qu'ils leur donnent pour l'instant. Quand tu les entendrais à la mort, c'est sûr. Ouais, je peux encaisser. Bon. Tu veux. Là-bas. Je te recommanderai. Attention. C'est sympa. Mais je peux te donner un conseil. Vas-y. Démerde-toi pour les faire parler et finis-en plus vite. Là! Parlez! Allez, viens! Elles sont filées derrière cette voiture! Elle ne peut plus bouger! Elles ont filé! Fouillez les parages! Traquez-les! Jamais vu de bac comme ça. Ils ont envoyé combien de types à ta recherche? Trop. Là-bas.
quoi tous ces arcs-en-ciel? Regarde ce qui traîne dans le coin. Ellie, regarde. On dirait nous, non? Arrête. Te déconcentre pas. T'as raison. On peut peut-être descendre par là? Ouais. Faut que j'entre. On va jeter un œil. Il y en a partout. On se replie pas. On se rassemble, c'est pas pareil. On a mis des mois à sécuriser la zone. Les chefs savent ce qu'ils font. Enfin, je suppose. J'arrive jamais à les réamorcer comme il faut. Toi. Tu fais ça mieux que moi. Allez, vas-y. Compte pas sur moi pour faire ton boulot. Va vérifier les putains de pièges à visuel. Ah, j'irai une fois que j'aurai été relevé. Je les vois. Arrêtez. Thank you.
plus de bruit. Ça va? Ouais. Et maintenant? Il faut qu'on franchisse le mur du poste de contrôle. Les immeubles sont de l'autre côté. Regarde bien. Il y a forcément un passage. On va aller voir à l'étage. C'est par là. Dina. La main. Hey, ce bâtiment rond, on dirait la station télé de ta carte. Ouais. Bien. Je sais pas comment j'aurais fait si t'avais pas été là. Eh ben, dis donc. Oh merde! C'était quoi, ça? Il a foncé dans un piège. Un quoi? Un piège explosif. Regarde bien où tu mets les pieds. Je crois qu'il faut qu'on descende. Ellie ! Putain. Tout va bien. Dis, cette Léa, qu'est-ce qu'on fait si jamais elle est plus là-bas ? J'ai pas envie de penser à ça maintenant.
On devrait mettre des choses comme ça autour de Jackson. Ça nous aiderait à nous protéger des hordes. Ouais, c'est pas bête. Sauf qu'on risquerait de tuer quelques vagabonds au passage. On pourrait mettre des pancartes pour les prévenir. Et s'ils savent pas lire? Hé, hey, regarde. Qui c'est, à ton avis? Quelqu'un qui veut nous faire croire que son amour est partout? Tu crois qu'elle a un rapport avec les Wolves? Je sais pas. C'est trop bizarre. Putain de merde. Ils ont été tués par balle. Regarde. C'est celui de Tommy. Les infectés l'ont bien amoché. Est-ce que ça va? Ouais, désolé, c'est juste l'odeur. Oh. D'accord. Il a dû continuer à pied. T'es sûr que ça ira? Ouais, ça va. T'inquiète. Comment ça se fait qu'il y ait autant de dégâts ici? C'était pas comme ça à Boston, si? Non, y a pas eu de guerre civile à Boston. Les Lucioles se sont jamais révoltées comme ça. Est-ce que tu vois la station télé? Ouais, c'est par là. Faut monter. Oh. Encore des cadavres. Tu es par balle, eux aussi. C'est sûr, Tommy est arrivé par ici. Je parie qu'il a pris ce chemin. Stop! Un piège. Oh, merde! Bien vu. Il y en a partout. C'est sûrement pour les infecter. Peut-être. Mais au moindre faux pas... Ouais. Pas bête. Ça fonctionne. Ouais. J'ai vu Joël faire ça une fois.
Ces herbes hautes, ça me rend nerveuse. Ouais, on a plus de mal à les repérer. Ils ont vraiment piégé toute la zone. Ils doivent pas traîner dans le coin avec tout ça. Tu vois, t'es optimiste quand tu veux. Tiens, ici aussi. Pas dans la discrétion, là. Peut-être que Léa viendra jusqu'à nous, alors. Ouais. Ou alors, ils vont nous attendre avec une embuscade. Ah, il faut que j'entre là-dedans. On y est. Plus un bruit. Je me méfie. Tu vois une entrée ? Pas encore. Et si on grimpait ? Bordel. Oh, c'est violent. C'est Tommy, tu crois ? Viens, on entre. Attention.
Oh merde. Oh, non, ça c'est pas Tommy. Qui a fait ça, bordel? Je sais pas. Mais ils ont voulu faire passer un message. Ça vient juste d'arriver. Tu crois qu'ils sont encore là? J'espère pas. Mais reste sur tes gardes. Amène-toi. C'est quoi ça? C'est elle. Léa. T'en es sûre? Ouais. Faut croire qu'elle avait vraiment un karma de merde. Elle a rien sur elle. Dina. Hmm. C'est des photos d'eux.
Attends. C'est près de Jackson, ça? Putain, regarde les souriants. C'est elle. Celle qui l'a tuée. Droit de moi, pas vrai? Droit de moi. Si, 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 le secteur 2, vous me recevez? Unité de soutien India en route vers la station télé. Je répète, unité de soutien Merde. India en route. Ouais, terminé. Faut qu'on se tire d'ici. Bon, elle est morte. Comment tu te sens? J'ai les nerfs qu'on n'ait pas pu lui parler. Ouais. Mais elle avait rien fait à Joël. Je trouve que ça aurait été moche de la forcer à... Elle a parcouru des centaines de kilomètres. Merde. Baisse-toi. Bordel. Ils sont tous morts. Les empoirés de Scar les ont tués. On déploie. Encore des scars dans le bâtiment. Faites gaffe! Comment on va s'en sortir? Faut que quelqu'un aille prévenir la base par radio. Suis-moi. Qu'est-ce que tu fais? Je l'ai fait descendre. Faut d'abord s'assurer que le bâtiment soit vide. Pas question de les laisser là-haut. C'est pas ça qui les sauvera. Alors bouge-toi le cul! Il en reste? Non, je crois pas. J'en entends d'autres. Par ici. Viens. Qu'est-ce que j'en fais? Putain, 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 put
Enfin ! Oh merde ! Ok. Ça devrait tenir. On continue. Faut trouver un passage. Espoir. On met les masques. Ok. Faut qu'on avance. J'espère qu'il y a un passage. J'ai cru qu'on y resterait. Je sais. Par ici. T'as entendu comment il nous appelait ? Scar. Je me demande si c'est les Scars qui ont fait tous ces graffitis. Et qui ont étrippé tous ces wolves. Putain, y'a que des tarés dans cette ville. C'est clair. On peut passer par là ?
déjà vu un truc pareil? Les colosses balancent des spores acides. Mais j'ai pas l'impression que c'en soit. Je sais pas contre quoi ils se battent, mais on devra les laisser s'entretuer. Je suis d'accord. Un claqueur mort. C'est comme ça que je les aime. C'est quoi le plan? Il y a une autre échelle de ce côté-là. Ok. Comment on fait pour y aller? Ah, ça va le faire. L'échelle est pétée. Fais chier. Ces enfoirés. Ils t'ont eu? Non, j'ai rien. Des puants? C'est comme ça qu'ils ont appelé ces trucs? Ouais. D'où est-ce qu'ils viennent, ces puants? J'en sais rien. Ils sont horribles. Thank you.
Oh, non mais regarde ces brûlures. Non, c'est bon. Allez, on va voir où ça mène. Prends ton temps. J'y suis, presque. Ok. La voie est libre. Enfin, je crois. Cool. Des puants. Comme si on n'avait pas assez d'emmerdes. Que veux-tu ? C'est la nature. Ouais, ben la nature, c'est une sacrée connasse. Voyons voir. Oui. Comment t'as fait ça? C'est magique. Tu sais que je t'aime, toi. Il doit y avoir un autre passage. J'aime ton optimisme. Merde.
Ok. J'ai bien envie de me casser d'ici. Pareil. Voilà. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Je sais pas, un accident de train, peut-être. Merci, Sherlock. Putain. Je me demande s'ils ont fonctionné longtemps après le début de l'épidémie. Je vois de la lumière par là. Alors remonte. Dina? Ouais, j'arrive. On se rapproche de la lumière. Hé, hey, je vais t'aider à monter. Ouais. Trouver quoi? Allez. Ok. On reste ensemble. On sera bientôt dehors. Passe devant. Oh!
Prends le mien. Non, 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 non. L'enlève pas. Dina, stop. Ellie. Stop. Quoi? Non. Ellie, non. Arrête. Je suis pas infectée. Je suis immunisée. Je tousse pas, regarde. Merde. Dina. Tu peux courir? Oui. Oui. Alors, vas-y. Fonce. Arrête. Cours, Dina. Ellie. Dina, c'est toi, on peut pas. Par ici! Vite! Merde! À droite! Allez! Dans ce théâtre. C'est une putain de bonne idée. Tu es prête? Je te tiens. Attends là. C'est bon? Y a personne. Viens. Tu peux me dire ce qui se passe, au juste? Tu me demandes ce qui se passe? Ellie, je viens de te voir inhaler des spores. Je te l'ai déjà dit. Je suis immunisée. C'est ça. T'es immunisée. J'ai été mordue, il y a déjà longtemps. Mais putain, de quoi est-ce que tu parles ? J'ai été mordue et il s'est rien passé. La brûlure à ton bras. Maria et Tommy... et Joël sont les seuls au courant. Était. Toi aussi maintenant. Je suis pas contagieuse, si c'est ça qui t'inquiète. Mais je peux pas t'immuniser non plus. Je crois que je suis enceinte. Qu'est-ce que tu dis? Il n'est pas de toi, je te rassure. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant?
Rien. Il faut seulement que je me repose. Oh, c'est pas vrai, tu te fous de moi. Depuis quand t'es au courant? Ça fait seulement quelques semaines. Seulement quelques semaines? On aurait pu faire demi-tour. J'en savais rien, j'en étais pas sûre, ok? Je voulais pas devenir un boulet, d'accord? Alors là, bravo, t'as bien raté ton coup. Je vais aller m'assurer qu'il y a personne dans le coin. Repose-toi.